Ah oui, si, Bourville. c'est David. Ah oui, David, Kevin. oui, dans TikTok. Ouais, sur TikTok. Et autrement, tu sais faire Bourville. Mouvelo. Ça fait trop longtemps. Mavelo. Attendez un peu que je vous explique la tacatacatique du gendarme. Voilà, c'est parti pour une FAQ. La première question que je viens d'y répondre, c'était est-ce que tu connais des imitations? Puis bah, Que tu sais voilà. faire, ouais. Est-ce que tu sais faire des imitations? Bah voilà. Ok. Il y a Yuyu 85. Donc attention, il a plusieurs questions qui le turlupinent. Pose tes questions turlupinantes. Alors, petit 1, crois-tu un jour faire des vidéos d'expérience à grande échelle, comme par exemple le dentifrice d'éléphant? Alors. Et attends, attends, attends. Attends. Il y a Escaron le lion de l'orgueil qui te pose la question, est-ce que tu peux faire un dentifrice d'éléphant? D'accord. Voilà. Alors, du coup, je vais répondre à vous deux. Le dentifrice d'éléphant. Moi, j'aimerais beaucoup le faire. J'en parlais justement avec maman la dernière fois. J'aimerais beaucoup le faire. Donc, on a l'espace. C'est dans le jardin. Après, on peut mettre une bâche et tout ça. Mais le problème, c'est que. C'est qu'on n'a pas le matériel. C'est bon? Ouais. C'est que, bah voilà, on n'a pas le matériel et puis on ne peut pas le faire. Mais sinon, moi. Après, il ne faut pas grand-chose en matériel. Non, mais faut quand même s'y connaître un petit peu, de pas faire n'importe quoi en fait. Oui, voilà, Voilà. c'est ça. Et puis dans les box que tu reçois de Mail Oui, de Chimistry, normalement Melchimestrie. il y a un dentifrice d'éléphant Voilà. qui devrait arriver. Mais on sait pas Melchimestrie quand. que. Voilà, Melchimestrie que bah, je fais en vidéo de temps en temps. Chaque expérience que je fais, c'est avec Melchimestrie, de toute façon. Et voilà, donc c'est. Normalement, il devrait y en avoir une. Dentifrice éléphant, j'ai failli y arriver. Donc normalement, vous devriez voir un dentifrice éléphant. Mais on sait pas quand. Donc toujours Yuyu 85, il a trois questions à peu près. Enfin, peut-être qu'il y en a deux dans les mêmes. Voilà. Donc vas-tu continuer ta chaîne YouTube pendant tes études dans les années à venir ou arrêter un jour? Bah, on verra le moment venu et puis oui, voilà, on verra le moment venu quoi. Oui, c'est un peu comme t'as envie, Au jour le quoi. jour quoi. Oui, c'est si un jour t'as pas envie d'en faire, t'en fais pas. La preuve, Voilà. hein, on devait tourner cette vidéo Hier, non, un. dimanche. Hier ou avant-hier et puis moi j'avais Ouais, t'avais pas. pas envie, donc J'avais pas envie ben. et puis je trouve que ça sert à rien de faire une vidéo alors que t'en as pas l'envie, ça donne pas Bon, l'impression voilà, c'est ça. que t'aimes faire ce que tu fais. Donc là j'avais envie, voilà, voilà, j'ai dit ok, bah, on peut la faire aujourd'hui. Mais hier, voilà, ça me tentait pas et je voulais pas faire une vidéo alors que j'en avais pas l'envie. Ça montre que bah ça se voit que j'ai pas envie Oui, quand voilà, c'est ça. quand je veux Si pas on la faire. force. Voilà. Ok, et donc si oui, est-ce que tu ouvriras une boutique de vêtements et sinon dans combien de temps? Donc dans combien de temps, bah ça dépendra de ton envie, hein, et si Voilà. tu as envie de continuer ou d'arrêter, tu sais pas. Et si oui, bah. Une boutique de vêtements. Ça m'intéresse pas forcément beaucoup. Et donc la troisième question, est-ce que c'est ta mère qui a proposé l'idée de créer ta chaîne YouTube ou est-ce que c'est toi qui lui as demandé? Alors, c'est moi qui lui ai demandé, j'ai déjà répondu à cette question. Ouais. C'est qu'en fait. Je voyais plein de vidéos, du coup je regardais YouTube, je voyais plein de vidéos. Je voyais plein de vidéos. Et puis moi ça me donnait envie d'en faire. Oui, il y a un trou là, loulou. Et ça me donnait envie d'en faire. Et du coup, bah. Moi je filmais déjà mes expériences. Des fois je faisais des petites expériences. De mon côté, j'ai filmé. Mon expérience a gagné. A été très très bien. Voilà, je filmais ce que je faisais de mon côté en fait. C'était pour les souvenirs, pour moi quoi, pour plus tard, pour les re-regarder plus tard. Et puis bah un jour j'ai demandé à maman si on pouvait faire une chaîne YouTube et puis bah poster ce que je faisais, ce que j'aimais faire et puis voilà. Oui, c'est ça. Donc c'est moi qui ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube. Voilà, on n'a pas forcé Malone à faire de chaîne YouTube.
On force pas Malone à faire telle ou telle vidéo. On force pas Malone à faire telle ou telle vidéo tel jour. On visera pas de chaîne. Voilà. On l'a dans la tête. On sait très bien. Il y a pas tant de vidéos prévues par semaine, par mois. Voilà. C'est vraiment quand on a des idées, quand on a envie, quand voilà. Quand moi aussi j'ai envie, parce que étant donné que c'est moi qui filme et qui monte les vidéos, faut aussi c'est du temps. Donc voilà, c'est. C'est comme ça vient. Voilà. Il y a certaines chaînes où ils ont pas forcément. Ça se voit des fois qu'ils ont pas forcément envie de le faire. Ils sont. Oui. Qui se forcent. Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'est pour vous dire que ma mère, il y en a pour beaucoup que ça gêne, mais ma mère, vous l'entendez derrière la caméra, et c'est normal, parce que ma mère, si elle n'est pas là, j'aurais des trous de mémoire tout le temps. Vous pouvez voir des moments, il y a des moments où c'est coupé au montage forcément, mais il y a des moments où j'ai des gros blancs, je ne sais pas quoi dire, et puis, enfin, voilà. Ça viendra avec le temps et l'expérience, en grandissant. Et maman me dit, et moi ça m'aide. C'est elle qui cadre, c'est elle. Oui, parce que voilà, vous avez pas vu la vidéo avec Joe Magic. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à ne pas aller la voir. Non, le cadrage, c'est moi qui l'ai fait. Ça s'apprend aussi. C'est moi qui l'ai fait, quoi. C'est qu'à force de le faire, tu y arriverais, mais voilà, c'est plus facile que ça soit moi. C'est moi qui fais le montage en plus. Voilà, donc c'est plus facile pour moi de faire un montage. Sur une vidéo où je suis présente, en fait. Donc voilà. Ma mère fait le montage aussi. Donc j'ai que 13 ans. Je suis un adolescent. Et c'est important que mes parents ils aient un œil sur ce que je fais sur Internet. Donc c'est pour ça que ma mère est avec moi sur YouTube. Voilà, pour gérer les commentaires. Il n'y en a pas souvent des commentaires un peu, entre guillemets, haineux. Mais où ils t'insultent ou voilà, mais en général tu les vois pas parce que je les supprime avant. Et puis même si je les vois, moi oui, voilà, même si tu les vois, voilà, mais voilà, c'est moi je trouve que c'est important à 13 ans qu'il y ait un regard adulte sur ce que tu fais sur internet, c'est dangereux. De temps en temps, on supprime, voilà. De temps en temps, c'est un petit peu voilà, plaisir, on répond un peu, donc voilà, on répond avec des petites phrases rigolotes et voilà, bon, mais oui. Et eh ben justement, question de Joe Magic. Joe Magic. Salut Joe Magic. Qui pour toi a été le meilleur fit en vidéo? Continue tes vidéos, tu gères. Merci beaucoup. Attends, je réfléchis, j'ai fait. Alors, attends, faut que je compte combien j'ai fait de fit. Ah ben non, j'en ai que fait. Ah si, avec Tao aussi. Mais bon, c'est pas un youtubeur. C'est pas un youtubeur, donc c'est pas un fit. Donc. Bon, bah donc. Attends. Ah oui, j'en ai fait un fit. C'était avec qui déjà? Ah, bah tiens, c'était avec Joe Magic. Bah, quelle coïncidence! Bah, du coup, voilà. Même si j'en aurais fait d'autres, ça aurait été avec toi parce que c'était. Ouais, c'était sympa. On s'est bien marré à faire des petits tours de magie. Le cadrage aussi. Faudrait le refaire. Ouais. Bah, de toute façon, on se parle sur Discord en ce moment. On essaie de se caler une petite date pour pouvoir se refaire un petit truc après le Covid. Okay. Ou même pendant, voilà, respectant les gestes barrières. Oui. Voilà, faut. Mais voilà. Donc, Escaron, le lion de l'orgueil, demandait aussi mettre des miniatures dans tes vidéos. Mettre des miniatures dans mes vidéos? Est-ce que peut-être il parle des miniatures un peu, entre guillemets, putaclic, avec des flèches qui montrent, toi, qui fait ah! Enfin, voilà. Ouais. Est-ce que ça marche réellement, c'est ce genre de miniature? Je sais pas. Je sais pas non plus. Après, ça me fait rappeler une vidéo de Julika quand je vois des flèches rouges dans tous les sens. Où en fait, c'est des trucs psychologiques qu'on sait même pas. Non, mais sur les restaurants, il y a souvent la couleur jaune et rouge. Donc vos restaurants préférés, souvent il y aura du jaune et du rouge dans les logos. C'est parce que le rouge, ça nous attire,
C'est voilà, c'est vivant et tout ça. Et le jaune, ça nous donne faim, je crois. Enfin, c'est un truc comme ça. Ouais. Et du coup, ça nous donne envie d'aller à ce truc-là. C'est pour ça qu'on aime ce restaurant-là. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a des flèches C'est pour rouges ça qu'il sur y a les des flèches miniatures. rouges et tout ça sur les miniatures, je pense. Ça t'attire, ça attire Voilà. l'œil et t'as envie de cliquer en fait. Voilà. Moi Moi, personnellement, je personnellement, clique ça marche pas pas sur forcément, ouais, je moi. clique pas forcément sur des miniatures où il y a des flèches rouges. Parce que je crois qu'on s'est un petit peu trop fait avoir justement sur le putaclic. Où on s'attend où on s'attend à avoir ce qu'il y a de marqué dans le titre et un peu ce que la miniature nous renvoie et que finalement on est déçu parce qu'il n'y a pas quoi. Donc à la limite faire des miniatures putaclic où il y a vraiment la chose, peut-être. Moi, Mais ça marcherait pas sur moi, par exemple. oui, mais on a testé de faire des petites miniatures un peu travaillées et d'autres miniatures où c'est. Bah, c'est les miniatures qu'on nous propose dans le montage vidéo, enfin quand on charge la vidéo. Et il n'y a pas forcément beaucoup de différence de vue sur les Non, et vidéos, puis, donc je voilà. cherche pas à avoir 40 000 vues ou des Non. trucs comme ça. Tant que j'ai quelques vues, voilà, moi, ça me... Voilà, que les principaux ont vu la Voilà. vidéo, bah voilà. C'est souvent les mêmes de toute façon, On est donc content. voilà, ça me fait plaisir. Ok. Donc il y a Sylvain. Coucou Sylvain. Dans quel pays as-tu déjà voyagé? Quel pays souhaites-tu visiter dans les années à venir? Alors, c'est quel pays j'ai visité au début? Mmh. Si, il y a ce truc-là. Bah, il y a la Non Suisse, mais il mais y a t'étais petit. l'Espagne, il y a la Suisse, mais bah voilà, j'étais tout Ouais. petit. Donc l'Espagne, oui, tu t'en souviens, parce que c'était il y a L'Espagne, 3 la ans. Suisse. Ah, attends, je crois que j'ai un pays, j'ai vachement visité. Je crois que c'est la France. Ah, on voyage un petit peu en Oui, France, on essaye voilà. de découvrir quelques régions. La Bretagne. Ouais. Les Landes. Ouais, les Landes, mais c'est en Espagne, ça. Non, c'est dans le bas de la France, Ah c'est dans oui. les Pays Basques. Question de Nina Grant. Alors attention, prépare-toi. Coucou Malone, j'espère que tu vas bien. J'adore poser des questions, prépare-toi. D'accord. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Ok. Est-ce que tu t'amuses bien sur ta chaîne YouTube? Je pense que ça se voit. Aimes-tu l'école? Coussi, coussa. Couchi, coucha. Je suis diapon. As-tu des idées ou des rêves pour quand tu seras grand? Oui, c'est un rêve, devenir soigneur animalier, un zoo, enfin soigneur animalier, enfin, quand je dis soigneur animalier, les gens ils pensent que enfin, c'est vétérinaire animalier, Non, ça n'a rien mais à voir. ça a rien à voir, je leur explique et ils me disent, ah d'accord, bah, c'est pas soigneur animalier, bah si, c'est je m'occupe des animaux, mais je Les suis pas vétérinaire, animaux dans le domaine sauvage, enfin voilà, exotique sauvage, voilà, donc c'est pas chien-chat. m'occuper des primates par exemple. Voilà. Quoi d'autre? Devenir scientifique. Mais oui, voilà, j'en ai plein d'autres, mais bon, je Comme sur ça. le voilà, sur le coup bah, visiter le Canada. Ouais. Quelle est ta couleur préférée? Est-ce que tu as une couleur préférée déjà? Bah, je les aime toutes, mais le black, le red et le blue. Waouh! Elle est parfaitement bilingue. Tu es bilingue. Et Yes, attention, I am bilingue. question difficile, pourquoi? Pourquoi quoi? Alors, pourquoi tu aimes cette couleur, peut-être, je sais pas. Ok. Est-ce que tu écoutes de la musique? Oui. Tu penses quoi de 2020? Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Plutôt plage ou montagne? C'est beau. Est-ce que tu aimes les animaux? Non, j'aime pas du tout. Tu veux devenir soigneur animalier juste pour leur faire du mal en fait. D'accord.
J'arrête, désolé, mes questions sont de moins en moins sérieuses. Garde le sourire, t'es le best, peace. Timothée Milo, ou Mio, je sais pas trop. Salut Malone, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. J'aimerais te demander, as-tu des animaux de compagnie? Si oui, peux-tu nous les montrer? Non. Donc si, bah déjà il y a Mambo. Voilà. Ouais, il y a Mambo, je vais pas tous te les présenter parce que bah il y en a beaucoup et puis ils sont pas tous avec moi. Mais je t'invite à aller sur la chaîne, il y a plein de vidéos sur eux. Uh-huh. Voilà, il y a une vidéo où je les présente tous sans exception. Même le petit nouveau qui est en famille d'accueil avec nous. Voilà, j'ai tous présenté, donc je t'invite à aller la voir. Ouais. Aligno YouTube, salut Malone, j'ai une question, vas-tu faire des vidéos sur certains jeux? Alors, je t'invite à aller voir Machine Gaming. Instant promo, voilà, je t'invite à aller voir ma Machine Gaming, Malone Gaming 49. Il n'y a pas encore beaucoup de vidéos dessus, faut que je m'y remette. Et puis, normalement, vous devrez avoir une petite vidéo gaming dans pas longtemps sur un jeu mobile qui va pas tarder à sortir. Le monde de Jurassic Nat. Salut Malone, je viens de découvrir ta chaîne grâce à une vidéo de Jurika de décembre 2018. Et je voulais savoir si c'est ça qui t'a fait gagner beaucoup d'abonnés. Oui. Et deuxième question, as-tu revu Jurika ou lui as-tu reparlé depuis la vidéo? Alors, je l'ai revu une fois. Ouais. À Angers. Ouais. Et après... Ah ouais, il a retiré le trou, il a retiré le trou. Bah on vient d'arriver, on pleure. On fait d'ailleurs, on va le faire, parce qu'on attend du confinement. D'ailleurs, la maman est où? Là, elle est là. Je suis dans l'ambassade, on va se voir un peu. Attends, vas-y. Ça marche. Il y a un ambassade, on va se dire, il y a un petit abonnement. Tu vois, ça donne le temps. Je peux le voir ou pas? Non. Voilà, on va dire un mot. Mec, c'est fou ce qui vient de se passer. Allez, vas-y. Et après, pas forcément. On s'est parlé sur son live deux fois. Oui, de temps en temps, oui. Mmh. Voilà. Voilà. Ouais. Et donc, full fit, aimes-tu l'astronomie et aimerais-tu visiter un pôle ou des étoiles? Donc, l'astronomie, j'aime bien, mais je suis pas à fond dedans. Je m'y connais pas forcément. Voilà, on aime bien regarder de temps en temps les étoiles filantes, la Voie lactée, voilà, mais je serais pas capable de retrouver une constellation ou une planète ou une étoile spécifique. Ouais, on s'est pas mis dedans à fond. Voilà. Et donc, est-ce que tu aimerais visiter un pôle ou des étoiles? Bah, un pôle avec plaisir, avec Maïka. Ouais, c'est clair. Ce serait rigolo, ce serait cool. Puis bah, les étoiles, ça va être compliqué quand même, hein. Si on voit avec Elon Musk, il y a peut-être moyen, mais bon, faut... Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Donc bah voilà, petite FAQ rigolote, sympathique, pour la fin de l'année, et puis bah... Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà. Je vous souhaite pas une trop bonne année parce que ça n'a pas marché pour 2020. Allez, bye bye. Donc, bah, Elon Musk, si vous passez par IR, I want. Wouhou, vers. Une l'infini star, et au-delà. Vers une star. please, partenariat with me. It's clear. Bye. On essaie de devenir une star ici. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Silence dans le plateau. Silence. Je suis un juge. Silence dans la salle. Coupable. T'as vu, il a entendu qu'il était coupable, il a arrêté. Ouais. Hein. Dans quel pays as-tu déjà voyagé? Mais tu sais, hein, ça, non. Je coupe pas. Hein. C'est pas. Mon moment. C'est moi qui fais le montage. Mais oui, mais moi, quand je me loupe, tu mets un
musique ou pas? Bon, et toi, par contre, t'as pas le droit. Enfant, écoute. Écoute ta mère. Bon, allez. Dans quel pays... Non, là, par contre, t'as pas le droit de couper. Tu coupes pas toute la discussion. Dans les vidéos, je les présente tous. Et tous sans expection. Mm-hmm.